Il y a quelqu'un, bien sûr. N'hésitez pas à vous manifester. Mais Martha. J'adore zapper. J'ai une grande passion dans la vie, le zapping de fenêtres. On va voir si on a eu du courrier. Bonjour, monsieur le facteur. On essaye d'avancer dans ce méga jeu parce que bah, j'avance plutôt bien. Et du coup, on est à la quatrième étoile qu'on a libérée. Et du coup, il faut avancer quand même parce qu'un jour on va le finir quand même. Et quelqu'un ou pas, comme je le filme depuis le début pour les replays YouTube, je le continue. M'en fous. Le village Copa n'a pas changé, la femme de Colorado l'attend avec impatience. Colorado et toi, vous avez une vie si palpitante que j'en suis jaloux. Allez, bon courage l'ami, coulisse du village Copa. Veux-tu lire d'autres lettres? Ben oui, il est resté une lettre pour Paracari. L'assistant facteur, Alité. Salut, je suis Alité. La voilà. Cher Paracari, merci pour toutes les lettres que tu m'as apportées malgré le froid et la neige. Comme j'habite dans cette vallée, aussi loin de ma famille, c'est le courrier qui me procure ma plus grande joie. Les petits mots gentils de ma femme et de ma fille me donnent la force de continuer mon travail. Mon cœur bondit de joie à chaque fois que j'entends tes battements d'ailes. Waouh, c'est beau. Sois prudent, mon ami, ton fan a lutté. Alors j'espère que vous allez bien en tout cas. Je sais qu'en ce moment on bouge beaucoup de Mario sur la chaîne. Alors c'est le problème quand on commence à Mario, c'est qu'en général, il passe du temps, hein, que ce soit Mario Galaxy à l'époque, replay disponible sur YouTube bien sûr, ou même les Mario actuels, celui-là, le Paper Mario. Alors ce Paper Mario, à la base j'étais pas parti pour le faire, j'étais parti pour faire Paper Mario 3 sur Switch. Et j'ai attaqué celui-là un petit peu par hasard en me disant que tant qu'à les faire, autant les faire dans l'ordre. Ça c'est pour la genèse. Je suis censé aller au village Goomba. Alors, il me semble que j'ai un truc à poster. Parce qu'au niveau du son, tout est bon. Si quelqu'un est dans le coin, a priori le son fonctionne. Un, deux, son marche. Cette fois, j'ai pas oublié de le mettre en route. Et ouais, parfois faut pas être con, hein. Alors, j'ai des objets à collectionner. Alors, j'ai deux lettres à poster. Une pour entité village Koopa et une pour Goombapa village Goomba. Alors, le village Goomba, il est là. On va essayer d'y aller. Bien sûr, il me laisse faire, parce que bon. Oh, je suis pas sûr que ça aille au bon endroit. Pas parti au bon endroit. On va y retourner, on va redescendre. Voilà, on commence à 22h, je prends le risque qu'il n'y ait pas grand monde qui cause. Plus sans la cam, je sais pas ce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout ?
Donc on le voit pas, mais bon, c'est pas très grave ça. Toddville. Toddy. On va retourner dans les zones du tout début. On a déjà été, évidemment. On va retourner vers la maison, vers Zone Mario, entre autres. Hein. Ça me paraît quand même un peu loin, hein, le début de l'aventure. Les conseils du tout début. C'est qu'il n'y a absolument personne dans ce premier niveau. Ah bah si, quand même. Ça devrait être très simple en plus que... Il fera même pas de dégâts. Ça va pas nous rapporter grand chose non plus, mais bon. Donc on a quelques piécettes, bon. Alors, du coup, on peut utiliser saut sur lui. Pas blessé. Aïe. Bon, là, il faisait 2 de dégâts à la base. Maintenant, bah... pas pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite. Hop. Ouais, j'ai la Goomba. Ça fait vraiment bizarre de revenir sur ces zones là parce que c'est vrai que fait depuis le début du jeu quoi, donc ça doit faire 5-6 streams si c'est pas plus que je suis passé par là quoi. Sinon demain soir il y aura la Vadé Retrox. La Vadé Retro c'est la chaîne Redro sur laquelle j'officie, Vadé Retro TV sur Twitch. Normalement je devrais faire un petit peu de rétro dans un mode un peu spécial. Et après du Doom 2000 peut-être si on continue la partie. Parce que bon, on recommencera à accueillir ma petite ma mini révolution. Alors le fameux village. Salut Mario, comment vas-tu mon fiston? Tu sais que je lui ai donné ton nom. J'ai toujours voulu qu'il soit fort comme toi. Il est un petit peu trop énergique pour moi. Vous êtes bien Goom Papa? Je suis Parakiri, je livre le courrier. Pas la vache qui rit, hein, Parakiri. J'ai une lettre pour vous. Un instant. Hop. Bien, on le saute. Quelle ponctualité, monsieur le postier. Bon, ça va, c'est dans ma poche depuis à peu près
Lui stream. J'adore la pêche et cette lettre vient d'un ami qui organise une séance. Ça va être terrible. Pourriez-vous m'apporter cette lettre à mon ami? Il s'appelle Rousse Pété et habite à Toddville. Il se bat souvent près du jardin du château. Ok. Merci beaucoup. En fait, c'est des suites de lettres. On finit par les donner à tout le monde. J'espère que tu me raconteras tous tes exploits. Mais oui, je vais venir. Hein? Ah, le truc, c'est que bah, j'ai pas besoin de soins particuliers. Pour l'instant, tout va bien. Un Goomba redoutable. Ah oui, la fameuse mission avec la cassette. C'est la sextape de l'île mamie. Tiens, la voilà. Quand tu verras ce bon vieux Koopa, ça le lue pour moi. Cassette vendue par Goomba. On l'a donné à Koopa Kot. Faut savoir ce qu'il y a sur la cassette, bah évidemment. Je peux pas te le dire. Mais c'était génial. Ouais, ouais. J'imagine que c'était génial. Ok. Pas le final. Oula, on va essayer d'éviter de tomber. Initiative pour un combat gagné d'avance avec 30 PV. Alors je pourrais fuir, mais le problème c'est que si je fuis, je perds des pièces, donc ça m'intéresse pas. Donc du coup, bah, je fais les combats aussi merdiques sautés. Attaque et tue. Ah, il fait pas de dégâts donc. Ah, le ma. C'était quand même un ou deux, hein. Oh punaise. Oh punaise. Quatre à la suite. Même pas mal. Thank you.
Oui, c'est un petit peu chiant, je mets. Hein. Il fallait y aller. Toujours que j'avais ce courrier à lui donner. Au moins, c'est fait. Sûr, on fera pas un boss aujourd'hui. Hein. Cette ville. Alors, entité du village Koopa, près du château champignon à Rouspété. La relique, je sais toujours pas ce qu'il faut en faire. On ira au village Koopa après. Hop. On va prendre notre super postier. Livre le courrier. Je crois avoir quelque chose pour toi. Juste une seconde. Une lettre. Le boulet de facteur ne s'arrête jamais. Oh, ça vient de chez Boom Papa, ce drôle de vieux bonhomme. On est vraiment pareil, lui et moi. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu trop longtemps, d'ailleurs. Et en fait, je voulais justement envoyer une lettre à un de mes vieux amis, comme par hasard. Il s'appelle Coulis et habite au village Koopa. J'aimerais que tu lui donnes ceci. Il y en a du monde au Koopa. Je crois qu'il est près de l'entrée du village. Il se promène souvent près de la maison top qui est au bord à droite de la ville. C'est pas super urgent, mais presque pas. Donc, tu vois, facteur, car l'amitié n'attend pas. Ok. Bienvenue aux deux viewers qui sont sur la chaîne. Vous avez trouvé l'être. J'ai trouvé une lettre. Comment? Ce que j'aime bien, c'est que les lettres, on en a toujours. Impressionnant, j'ai beau les donner systématiquement, j'en ai d'autres qui arrivent. Aller voir le voyant, il va nous éclairer sur ce qu'on est censé faire. Et la boule à facette magique, tiens. Qui flotte près du port, tu sautes dessus, tu la frappes. Peu après, je te vois en train d'éclairer des ténèbres. Tu sais où se trouve le port, n'est-ce pas? Je suppose que je peux te le dire. Va dans l'horizon opposé à la forêt carrée. Incroyable. Il est là, le voyant. Bon, le port, on sait où il est. Moi, ce qu'il me faut, maintenant, c'est le village complet. Moulin Rafale. Plutôt que tu bobes le bas, on pense que sec. Village Koopa. Je dirais par là alors. On va sauver.
pom 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 pom. Comment je peux les esquiver? Merde. Là je l'ai pas esquivé. Ça empêche pas qu'il se rappelle un peu, non? Le village coupin, je sais pas où il est. Je dirais bien qu'il est pas par là. Le village coupin, il est pas là. Attaque. Hop. Il va. Il essaye de vous attaquer, ils font plein de dégâts, sauf que je m'y attendais. Oh, ils sont déjà un poil plus forts à ce niveau-là. Et d'argent, de l'argent! Village Coupeau, c'est au sud. Et Coupa, Coupa Cabane. Bienvenue au village Coupa. Vous êtes coulisse, n'est-ce pas? Je suis par la Kiri, je livre le courrier. J'ai une lettre pour vous. Incroyable. Voici la lettre. Arrivé au moment, j'étais sur le point d'envoyer une lettre justement, comme par une lettre de Ouspet. Comme toujours sur la longueur d'onde. Tu devrais t'y mettre, c'est trop sympa. Et dire que j'allais proposer à mes amis un petit séjour de pêche sur les îles. Ah là, comme par là. Donc là, on va au port après. Normalement, j'ai des lettres encore pour du monde dans ce village, plus un objet pour je sais qui. Alors, entité au village Coupa. Je la livrer par un troupeau. Je trouve par un troupeau. Thank you.
si large, j'en ai assez. Tu peux penser à autre chose pendant une seconde. Pense à moi, énervé. Robinette, je vais mettre tout mon cœur dans cette explosion. Il s'arrange de mon amour. Il va péter. C'est louche. N'importe quoi. Oh, ça va ce chemin, mais... Alors, je sais pas du tout si c'est utile d'aller par là puisqu'on a déjà été dans cette zone. C'est vraiment rien là. C'est une zone de début de jeu, enfin le début de jeu, c'est une autre mission. Ou plutôt que de bloquer les accès, il les laisse encore accessibles. Mais... Là, ça sert à que dalle. Pourquoi il est pas là? Lui à qui on doit donner une commande? Cassette, voilà. La fameuse sextape. Il y a une pièce, une pile. D'accord. J'ai pas envie de boire une tasse de thé coupa. C'est le meilleur, tu peux boire le service. Le thé coupa n'est peut-être fait que tu te fais le coupa que tu peux trouver dans le village. Ok. Ouais, effectivement. Il faut trouver un truc de thé. On l'a pas mis ça. C'est pour là que ça va se passer. Magasin. Hop. Alors, on peut déposer des choses. C'est pas là que ça se passe.
Il me faut une feuille de thé. Ah, c'est la... l'oreiller, donc. Entité, lol. Hop. Une lettre pour moi, elle vient de ma femme, elle est adorable. Excusez-moi, j'étais très absorbé. Ma chère épouse, elle est si mignonne, je l'aime pas. Merci pour les bonnes nouvelles, tenez. Morceau d'étoile. On a enfin fini une des boucles. Elles vont. Essayer un quiz. Ah, oui, Mario. Et puis, on voit. C'est pas le bon vent. On vend toujours toutes les messieurs alors. On trouverait pas là derrière. Et voilà, tant pis. On va demander à papy avant de partir. Hein. Jeudi soir, c'est vraiment calme. Wache. Une feuille coupable, ça je n'ai pas. Je ne vois pas trop où elle peut être, la feuille coupable. Parce que... Par contre, magasin. Mais... Alors du coup c'est pas là non plus.
Pas de conseil, c'est bon. Ah, là, voilà. Fameuse feuille Kuba. Ouais, je vais te chercher. T'es dans le village, de toute façon, hein, à moins d'un bug. Même pas courant, hein, d'habitude. Vous avez une initiative. Ouais. Comme ça aussi, pour ceux qui entendent le voix, ils vont rattraper le replay. S'il y a quelqu'un, on résigne un petit peu quand il n'y a pas grand monde. Hein. C'est toujours bon à prendre. C'est que comme ils sont pas assez forts, on se récupère tous les points de vie au fur et à mesure. Presque plus reposant que ma session de la fois dernière. C'est presque de la session de maintenant. Alors, elle est où le cuistot? Je me souviens pas que ce soit par là. Donc, c'est pas par là, mais bon, on peut toujours aller voir. Là, c'est le dictionnaire. Mais... c'est pas par là.
C'est ici. On fait une coupe. C'est grandiose. Tu peux le mettre chaud là-bas. Alors dans mes objets, est-ce que j'ai des choses à livrer encore? Normalement oui. Au port de Toadville. Colorado de retour. Voilà, tu peux l'avoir. Un petit morceau d'étoile. Il y aura un truc qui flotte ici. Je sais pas ce qu'il faut lui donner un coup de marteau, mais bon. Enfin, je vais trouver mon bonhomme. Encore une lettre. J'ai que ça, des lettres. Bon, le grand compositeur, je peux pas parler qui est dans le bar. Bye.
C'est talentueux. Hey Wisebot, on fait saluer par notre bot, t'as vu? Thank you. Retourne chez les coupas. Coupa cabana. En théorie, ça devrait pas poser de problème la route. On est tout au bout du village, hein, bien sûr. Pas faire. Hein. La température commence enfin à descendre. C'est l'été. Trois morceaux. Encore un service à lui. Un autographe de Luigi. C'était le mec de l'entrée, il me semble. N'hésitez pas à aller voir les pages de Penthouse et Noriel, Matrix et tout plein d'autres. Oui, c'est pas réglé. Un cadeau. Tom. On a fait des kilomètres dans ce village. Bon, le désert, faut prendre le train. Magique.
Voir la tortue. J'ai une autre pour t'enlever. Arrête du leurre qui est terminé. A été grillé par Wisebot. Mon plus doigt, c'est dans le chat. Et zut, il m'a vu, je pas. Un coup de martouf, celui qu'on veut le manger. Bing. Hey copain. On va refaire du thé. Par contre, je sais plus ce qu'il voulait, papy. Ouais. Il avait redemandé quelque chose, je suis pas arrivé. On rappelle plus. On va y retourner parce que. Je me souviens plus ce qu'il avait dit. C'est dur Alzheimer. Faut qu'on oublie ce qu'on vient de faire. Je sais pas s'il a redemandé quelque chose en fait. Ah oui, l'autographe de Luigi. Ça me revient. Je sais pas comment je vais faire. L'autographe de Luigi. Il faut que je trouve Luigi. Pom pom pom. Il m'agresse le machin. Alors, Luigi, Luigi, Luigi. C'est là, hein. Oh
Où il est Luigi? Bah le voilà. De Luigi, on aura tout vu. On a l'autographe. Finalement, ça n'a pas été si dur. La mise à la cuisine et un courrier à délivrer. Mais ok, bon. C'est de l'autre. Thank you.
même pas mal. Tu dégages. Alors, les PC, les PF ou les points badge? PF. Ou des raccourcis. Ou ça, c'est bon. Bah si j'avais tout ça plus tôt. Pratique. Ça nous emmène cette histoire. Thank you.
C'est une immortelle. J'ai compris. Manière originale de se débarrasser d'un ennemi. Thank you.
Allez, salut, c'est moi. Comment tu vas? Et lui dire bonsoir. Bonsoir, mon ami. Méchant, lui. Il était en modération. Me dire quoi? On pisse comme ça toute la semaine. En tout cas, bah écoute, ma foi, bon, ça va. Il y a un peu mal au bras parce que le vaccin, mais à part ça. Un gros signe que je me disais et puis là c'était chill. Bah je crois que aujourd'hui c'est... Ouais, j'ai fait ça... Enfin, je l'ai fait hier midi, mais par contre j'ai encore les séquelles. Enfin les séquelles. J'ai une après-midi où j'ai à moitié dormi toute la fois. Bah, j'ai eu un coup de blues bar tout à l'heure, ça a été un peu bizarre. Mais bon. On s'y fait, hein. C'est la dernière piquette, donc ouais. Ça m'a endormi cet après-midi, hier ça allait. Alors pour la première injection où j'ai entre guillemets senti le coup passer, là ça va. Oh, c'est déjà en train de passer, là je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Pour la première fois ça m'a endormi qu'une demi-journée et puis après à faire classer donc. Normalement ça devrait aller. Ils vont réussir à me tuer ces clowns. À côté marmotte, ouais. Ah, de toute façon côté marmotte tu peux jouer pas mal quand même. Je sais pas si les textes ils apparaissent dans le live. Pas rigolo. Ah, t'écris quelque chose. Ouais, tiens, le chat est pas activé. Ah, t'as écrit chaud. Ah, pas toi, mais. Ah, c'est un peu moins si haut que ça en fait. Je vais mourir écrasé si je veux. Ouais, meuf. Là, c'est les tubes de raccourci. On avance quand même, aujourd'hui je fais tourner la poste. Hein, donc, Je sauvegarde là comme ça on verra à quoi s'attendre. Quand même là en forêt là. Alors. Il se met à le coup. Pas bon coup quand même. Pandore moitié, bon stream. Ouais bon stream. C'est pas bon stream à toi, c'est bon stream à moi. Bah, écoute, faut aller faire dodo mon cher.
coup voilà, de toute façon moi je fais surtout des streams pour dire d'avancer. Moi bon, je vais arrêter dans pas longtemps, je termine ça, puis je fais le gars, à mon avis je vais au dodo. Ouais, même presque rester pour le final, tu vois. À moins qu'il y ait un énorme boss à la fin ici, mais j'y vois pas trop. Ah, il y a quelque chose. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose qui me rend de la vie. Du gâteau. Ah, c'est un vrai faux donjon en fait. C'est les trucs en dessous de la ville qui apparemment peut permettre de finir des trucs. Enfin de finir des morceaux. Donc c'est des petits trucs entre deux et puis. On va changer de perso, on va partir sur celle qui donne des baffes. Alors j'ai un nouveau personnage aussi qui s'appelle Watt. Oh, il fait trop de dégâts lui. Non, mais je m'attendais pas à ça. Pitch donc, pitch donc. Va t'endormir tranquillou. Il aime pas les claques du fantôme. Hein. Il y a une attaque qui s'énerve. Pas une attaque marteau. On va faire une intangibilité. Non. Je sens pas le fantôme. Énervé tout seul. Il va tenter une attaque, c'est obligé. La dernière fois, on avait terminé la zone précédente. Bien envie de balancer ça. Je sais pas si c'est un certain nombre de tours ou c'est tout le temps. Surtout que ça me permet de faire des attaques qui font plus de points de dégâts. Même plus de mal. Ça devrait pas trop tarder, hein. Vénère sous seuil, le retour. Dernier.
Il est immortel. Ouais, il a pas mal de PV, mais c'est pas le pire. Franchement, c'est pas le pire. Parce que j'ai un truc à 50 PV à battre. Dans le coffre à jouer, j'ai toujours pas fait. 50 PV en fast, c'est abominable. J'ai raté mon coup. C'est bon, ça. Et voilà. Ouais, je sais pas combien il en avait, mais bon, avec 19 points étoiles, c'est pas mal. Donc on verra ce qu'on va obtenir. Hop, tissu. Et on a plein de nouveaux badges. Bah, ça dépend, j'ai des attaques à 4 et à 6 maintenant. Et je suis censé avoir un badge spécial pour faire l'attaque, mais je l'ai pas encore récupéré. Donc... Ouais, ça commence à monter en puissance. En fait, t'as dû louper l'épisode de la semaine dernière où j'ai quand même récupéré pas mal de choses intéressantes. C'est pareil, il y a le nouveau petit personnage, là, vol de je sais pas quoi, que t'as pas encore vu. Ah là, c'est pareil, là, c'est pas cool. Ouais, il faudra que tu vois le replay parce que c'est quand même important pour l'histoire. Sachant que là aujourd'hui j'ai rien fait de spécial qui a fait avancer l'histoire réellement. Donc à la limite. Alors, là je fais juste les trucs genre aller dans le désert, livrer une courrier. J'ai fait toute la partie qui est annexe en fait, livrer les courriers. J'ai pas vérifié qu'il faut bien prendre le train pour aller là où je dois aller. Sachant que j'aurais pu justement y aller via le désert. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nouveau raccourci. En fait, j'ai un raccourci normalement qui me permet d'y aller maintenant. Et qu'on va aller donner la dernière enveloppe et on va arrêter là pour ce soir. Je sais pas combien de temps je suis en stream. J'ai plus le délai. C'est pas marqué depuis quand. Un petit uptime. Hop. Ah, oh, 1h31, ça va. Hop, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en route. Donc là, en fait, dans les objets, hop, j'ai une lettre à donner. Donc là, campement sec. Et au niveau des esprits étoiles, je suis arrivé à la quatrième, donc je suis sur les trois dernières. Donc ça avance, mine de rien. J'ai même l'impression que ça avance plus vite que Mario Galaxy à l'époque. Mario Galaxy, c'était hyper long. Et Et là, en fait, j'ai l'impression que ça avance plus vite. Bon après c'est pas le même style de jeu et c'est un poil plus... Enfin, je trouve plus intéressant celui-là que Mario Galaxy au niveau histoire. Bon après c'est basique, hein, ça reste du Mario mais... Maintenant on cherche un mec avec un turban bleu. Ah bah tiens, le compositeur. Des paroles. Il écrit de la musique aussi vite que la lumière. Mario Paper. Quoi ses pensées peut-être un RPG de Mario. Ah oui, de toute façon c'est un RPG clairement. Il y a tous les éléments du RPG. Plus j'y joue, plus je me dis que c'est un pur RPG. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le truc, c'est que, ouais, ceux qui disent que c'en est pas un, les comprennent pas. Ce qu'il y en a qui disent, c'est Mario RPG, le vrai RPG Mario, mais là,
Voir Akiri là. Hop. Bah moi non plus, mais il y aurait un Mario 100% RPG qui s'appelle Mario RPG. Et ce Mario en l'occurrence... Mario en l'occurrence serait un vrai RPG 100% Mario. J'ai loupé un épisode. Et la souris. Ouais, un turban bleu. Ils ont tous des turbans. Lui, il a un turban bleu. Tu eux. Faudrait que je vois ça, ça me dit rien du tout. Bah écoute, je vais essayer de voir si je le trouve, parce que apparemment c'est en japonais. C'est ça qui est embêtant. Je vais regarder si je le trouve, à l'occasion, j'en ai un petit peu. Hein. Ah, Paper Mario, oui, c'est un vieux jeu. Celui que je suis en train de jouer là, il date de la N64, donc. Je sais pas si t'as fait le dernier, le 2 et le 3. Enfin, le 2 puis le 3. Encore une lettre? Attends. Pas suivi le texte du coup. Il m'a donné quoi? Une énième lettre? Pour FMT près du dojo de Toddville. Pas le tout de vouloir l'apprendre. Le problème c'est que. Moi je parle pas japonais hein, donc. Si c'est du japonais, ben ce sera sans moi. Hein. Les raccourcis, ça fait quand même gagner du temps. C'est pas négligeable, hein, parce que là. Y a pas joué à Paper Mario. Il sait plus lequel. Ah, est-ce que c'était celui-là? Alors, il y a une boîte mail. Faut que je trouve le beurre. Sur GameCube, donc c'est le numéro 2 alors. Donne la partition. Mais si tu veux la chanter. Attention, elle va faire un concert. Mon Dieu. Il n'y a même pas de parole. C'était bon. Bon, ok. Et robotique, ouais. Bah, il n'y avait pas vraiment de voix dans les Mario, dans les Paper Mario à l'époque. Hein. Ah, je sais pas ce que j'ai eu, j'ai cliqué trop vite. Donc en fait c'est des trucs d'attaque que j'ai eu, des badges. En fait on peut gagner des attaques. C'est des effets spéciaux pour les attaques. Tout ça pour ça hein.
Et j'aime bien dans Paper Mario, hein, tout ça pour ça. Le dojo. Le dojo, il est là. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller sauter sur le Moby Dick, la baleine. Et puis d'attaquer la suite des boss, parce que... On pourra, normalement, la prochaine fois, commencer le nouveau secteur. C'est pas par là le dojo, c'est le train. Allez Little, c'est mauvais. On n'a pas trop de bugs d'affichage aujourd'hui. Il y en a, mais c'est pas... Pas les jolis, j'en ai. Alors... Il venait d'affronter le karaté. J'ai parlé trop vite. Par en feu. Ah oui, si j'ai re des points de vie. Ah, il est si fort que ça, lui. Ouais, quand même. C'est quoi si je tue karaté? On va changer de perso, on va passer sur nous. Il est violent quand même. Toujours autant. On va utiliser les esprits étoiles. C'est de la triche avec lui, mais... Ça n'a même pas touché. J'ai la meilleure. Manque de force. Ça va, il considère pas qu'il m'a tué. Bon, à la base, j'étais venu dire le courrier, moi. C'est pas ici qu'il fallait que je vienne. Alors Mario, ah, Mario il a pas vu que venir visiblement. Alors, il faut que je la donne à qui cette enveloppe? Je vais en finir avec ces foutus courriers.
TNT près du dojo. Extérieur, je pense que c'est une dame anonyme, je sais, populaire. Encore gérant du magasin du campement sexy. Alors, cette chaîne dans lettres normalement me donne un badge à la fin, si je me souviens bien. Voilà, alors on va essayer de trouver la sauvegarde. Super bug d'affichage. Hop, on va aller chercher la sauvegarde, puis on va s'arrêter là pour ce soir. Et toi, c'est la bonne. Coup de dodo. Direction l'auberge. Hop, voilà. Ouais, c'est l'émulateur qui fait ça. Alors ça le ferait tout le long du jeu, j'aurais probablement cherché soit un autre émulateur, soit arrêté de jouer. Hein. Save et la prochaine fois on attaque Mobilique. Par contre, on essaiera pour Mobilique. J'adore quand il va au dodo, ouais, mais il n'y a pas que ça, même la manière dont il rentre dans les tuyaux, elle est super. C'est rigolo. Donc voilà. Donc du coup, bah, on est en mode Walou la forêt. Voilà la carte à l'heure actuelle. Donc la prochaine fois, on va aller au port, ici quelque part. Pour aller sur cette île là, je sais pas où on doit aller d'autre parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres endroits. Il y a le monde des glaces ici, à mon avis, ça va être le final. Et on aura ces deux zones là avec le château de Bowser. Je pense qu'on aura fini le jeu. Il peut encore y avoir quelque chose ici éventuellement. La carte a l'air quand même bien fournie, donc, mais là, ici, on va sur l'île la prochaine fois. C'est très île de Donkey Kong d'ailleurs. Donc demain soir, on va des rétro Satanas. Alors, je peux déjà dire qu'on fera du jeu rétro sur une console que l'oncle Ced aime bien. Mais avec une manière de jouer un peu différente de d'habitude. Voilà, donc ça ce sera le suspense et le teasing pour demain soir. Hop. Ouais. Ouais, donc là, ça va être un peu la chose un peu étrange demain. Donc vers 19h30, 20h30, grand max 20h30, pour démarrer. Alors demain, on fait une petite séance, une demi-heure, trois quarts d'heure, sur un élément spécial. Et puis après, on fera peut-être du 2000, ou alors on continuera, si ça plaît, cette version-là. Voilà, je présenterai un truc inédit sur la Valkyrie. Voilà, voilà.
Donc je vous dis une bonne nuit, bonne soirée, à bientôt. Ça y sera, merci d'être passé, d'avoir dit bonjour, d'avoir discuté. C'est un plaisir d'avoir au moins quelqu'un qui parle. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans le coin mais qui ne se sont pas manifestées ce soir. C'est leur droit. Donc du coup, voilà. Tout comme bonsoir aussi à cette personne. Hein. Elle se reconnaîtra. Et puis, plein de bisous. Voilà, voilà. Allez, bah bonne nuit, bisous, bisous.